Un relais pour entrer dans l'histoire du biathlon français. Jamais l'équipe de France féminine n'a remporté un relais des championnats du monde. Lou Jeanmonod est la première relayeuse pour les Bleus. Lou Jeanmonod réalise le plein. La France va rester en tête de cette course avec la Suède. Oui, Anna Magnusson y parvient également. En revanche, Caroline Knutten a laissé la première balle s'échapper pour la Norvège. Elle n'a même pas besoin d'aller chercher son joker. Lou Jeanmonod va ressortir en tête. Et en plus, elle ne sera pas suivie cette fois dans la foulée par Anna Magnusson qui part à la faute. Le premier relais extraordinaire de Lou Jeanmonod. Sophie Chauveau va prendre le relais en tête. L'équipe de France est devant. Celle-là est vraiment très très loin. Globalement, il y a une tendance basse gauche pour Sophie. La première était une grosse erreur très loin. Mais par contre, on sent qu'elle n'a pas beaucoup de marge côté gauche. Il faut qu'elle essaye de... soit contreviser un peu vers la droite, soit quelques clics vers la droite. Attention, Sophie Chauveau ne dispose plus que de 2 balles de pioche. En cas d'erreur, elle ira sur l'anneau de pénalité. Il y a 2 erreurs également pour la Norvège, pour commencer. Sophie Chauveau ira sur l'anneau de pénalité. 150 mètres supplémentaires pour l'équipe de France. Allez, il faut réagir pour Sophie sur ce tir. Ne plus trembler. Oubliez ce qui s'est passé sur le tir précédent et aborder celui-ci d'une manière complètement différente. Pioche pour l'Estonie. Les filles derrière peuvent ressortir devant. Attention à la Suède. Attention à la Suède qui est en train de faire un énorme coup. Et qui va partir à la faute toutefois et perdre du temps. Attention à Sophie Chauveau qui fait 3 erreurs et qui risque, si elle ne réussit pas à mettre ses balles de pioche, de retourner sur l'anneau de pénalité. C'est l'Estonienne qui va pouvoir ressortir en première position. Là, ça va être dur pour Sophie là, de trouver la solution et d'aller mettre les 3 balles de pioche. Pour l'instant, au niveau des adversaires, seule l'Estonie est ressortie. Ça se passe bien pour Sophie. Essayer de terminer le travail et finalement, elle limiterait la casse. Ah, dommage. Sophie Chauveau va devoir retourner sur l'anneau de pénalité. Et on va suivre donc avec quel chrono Sophie Chauveau donne le passage à Justine Brezaz-Boucher. Il y aura donc 45 secondes. Justine va se mettre très vite sur son tapis. Allez, il y a des erreurs, ça pourrait permettre à Justine de reprendre quelques secondes, mais il faut être parfaite. L'Estonienne va pouvoir ressortir en première position, suivie d'Anna Heuberg pour la Suède. Une seule erreur pour ces deux filles qu'elles ont réussi à combler assez facilement. Ça va être le cas peut-être pour Idalienne également. Il y a Vanessa Voigt pour l'Allemagne. Oui. Et c'est un plein pour Justine Brezaz-Boucher qui va permettre à l'équipe de France de pouvoir repartir avec des équipes pour lesquelles on va rivaliser pour la médaille, Idalienne et Vanessa Voigt. Les voici, Justine à droite de votre écran, au premier plan là qui va passer à cet intermédiaire avec combien de secondes de retard? Il y a moins de 15 secondes désormais, tous les espoirs sont permis pour cette équipe de France.
La dernière balle échappe à Justine Brezaz-Boucher. Mais regardez, il y a également une erreur pour Anna Auberg. Elle pourrait ressortir toutes les deux ensemble. Attention, oui, oui, elle repart à la faute d'Anna Auberg alors que Justine Brezaz-Boucher réalise le plein. La France reprend la tête de ce relais féminin. C'est parfait, c'est parfait ce que vient de faire Justine. Il y avait une pioche, mais elle l'a réussi tout de suite. Elle laisse sur place la Suédoise, et on le sait, sur les skis, c'est elle la plus forte. Elle va pouvoir encore aller accroître les écarts. Allez, ce coup-là, on laisse plus de cadeaux à ses adversaires. Et on va donner, avec au moins une quinzaine de secondes d'avance, le relais à Julia, alors que la Norvège est en train de sombrer. L'équipe de France est mieux placée que jamais pour réaliser un résultat historique. Jamais l'équipe de France de biathlon n'a remporté un relais féminin au championnat du monde. Allez les filles, on va la chercher cette médaille d'or. C'est parti pour Julia. Elvira Berg vient de mettre ses genoux sur le tapis. Julia Simon lui laisse un minuscule espoir comblé dans quelques secondes, on l'espère. Oui, tout de suite, Julia Simon qui met d'entrée cette balle de pioche alors que Elvira Heuberg n'a toujours pas tiré sa première balle. L'équipe de France va rester en tête et les espoirs sont en train de gonfler du côté de l'équipe de France parce que Julia Simon, elle est injouable sur le debout, on le sait. C'est bien fait, c'est très bien fait de la part d'Elvira. Au final, elles vont avoir, alors qu'il y a eu une balle de pioche pour la française, elles vont avoir le même temps de tir. Julia a été capable de tirer en 29,2 avec, en incluant une balle de pioche, et c'est 29,9 sans balle de pioche pour Elvira. Ça vous montre à quel point Julia tire toujours aussi vite et elle est capable de reprendre à tout le monde 5-6 secondes par tir. On suit le match pour cette médaille de bronze, même si on trépigne et qu'on a très envie de retrouver Julia Simon sur la piste. Attention, regardez l'Autriche qui pourra aller sur l'anneau de pénalité. On se retrouve avec des filles qui n'ont pas l'habitude de ce genre de situation. Forcément, ça provoque des erreurs et le destin est en train de s'assombrir pour l'Autriche qui va aller sur la note pénalité. Il n'y a plus de marge pour l'Estonie. Ça ferait bien, bien les affaires de l'Allemande qui peut ressortir en troisième position. Elles vont ressortir ensemble. L'Estonienne et l'Allemande, donc, de ce pas de tir. Ce sont les Bleus qui vont jouer cette médaille d'or. Mais regardez, il faut maintenant convertir tous les espoirs de cette équipe de France. Allez, il faut les final. Convertir en or. Vous le voyez, ça souffle assez fort en direction de la droite. Allez, Julia, fais-nous rêver. Va chercher ce titre. 5 balles à tirer pour repartir avec de l'avance sur la Suédoise. Elle a choisi l'attaque, je vous l'avais dit, il y a du vent, c'était pas facile, son canon bouge et c'est en train de se calmer. Ça va peut-être aider la Suédoise, 3 balles de pioche à réussir. La première est dedans, Elvira Heuberg n'a toujours pas tiré. La deuxième également, Elvira Heuberg n'a toujours pas tiré. Et la troisième aussi, Julia Simon va pouvoir ressortir pour aller chercher la médaille d'or parce qu'en plus Elvira Heuberg repart à la faute. La France va être championne du monde du relais féminin pour la première fois de l'histoire. Allez, on va regarder comment ça se passe sur ce dernier tir quand même pour Elvira jusqu'au bout. Il y aura deux pioches. Effectivement, ce coup-là, ça va être terminé avec un sans faute. Ça aurait été bien différent. Elle a tremblé, Julia, mais elle a réussi à trouver la solution de manière très franche sur ces balles de pioche. Bravo les championnes, bravo Justine, bravo Julia, bravo Lou. Et ça va redonner le sourire à Sophie, championne du monde aujourd'hui les filles. Attention, on va trembler du côté de la Suède parce que Sofia Schneider est en train d'arriver pour l'Allemagne. Elvira Heuberg va aller sur l'anneau de pénalité. Forcément, il y a toute une tribune, tout un peuple qui est en train d'y croire pour la République tchèque. Mais il ne faudrait quand même pas aller sur l'anneau de pénalité. Regardez les cheveux de ces filles. Oh, que c'est dur de se concentrer sur ce pas de tir. On a envie de revoir Julia Simon. On a envie de profiter avec elle de ce tout dernier tour. Alors que là, on attend de précieuses secondes pour tirer les balles suivantes. Avantage Allemagne. La Norvège et la République tchèque viennent de s'installer. Ça va repartir pour l'Allemande. C'était une belle course de biathlon comme on les aime, avec du suspense. On aurait pu se dire l'équipe de France va dérouler après le relais de Lou. Le destin en aura été bien autrement, mais à la fin c'est quand même l'équipe de France qui gagne. Elles sont au-dessus cette année au niveau individuel. Ça se confirme en équipe. Bravo les filles, bravo Justine d'avoir relancé la machine quand c'était allé un peu moins bien. Sophie fait partie intégrante de cette équipe. Elle doit courir à 4 et il fallait Sophie. Ça s'est moins bien passé pour elle, mais elle sera quand même elle aussi championne du monde. Julia peut en profiter.
Normalement, il y a Cyril qui doit l'attendre avec le drapeau en plus. Oh, quelle est belle cette image. Les filles de Cyril Burdet, les filles de Jean-Paul Giacchino, on n'oublie pas bien sûr Jeanne Richard et Gylaine Guigonna dans cette équipe de France championne du monde. Elvira Öberg et la Suède va venir chercher la médaille d'argent alors que Julia Simon passe la ligne d'arrivée en tête. Elles s'appellent Lou, Justine, Sophie, Julia, elles sont championnes du monde et elles sont à jamais les premières. La médaille d'argent sera donc pour cette équipe de Suède avec Anna Magnusson, Anna Öberg, Lynn Persson et Elvira Öberg. Elle qui était en argent à Oborov avec Vanessa Voigt, Anna Kebinger, Sophia Schneider déjà. Et Denise Hermann-Wick, leur leader Denise Hermann-Wick a pris sa retraite. Mais les Allemandes sont toujours là, toujours sur le podium des championnats du monde.